Tout savoir sur l'école élémentaire en une minute chaque jour, c'est ici. Au sein de l'école, la sécurité des bâtiments est gérée par la collectivité qui doit s'assurer de respecter les règles en vigueur. Concernant les personnes, élèves, enseignants ou autres personnels, le directeur est responsable de la gestion de la sécurité sur deux points essentiels. La sécurité incendie, le plan particulier de mise en sûreté, PPMS. Il est nécessaire de mettre à jour annuellement l'organisation de ces éléments, de communiquer aux familles la mise en œuvre et surtout d'organiser des exercices d'entraînement pour donner à tous les élèves et personnels des habitudes pour faire face en cas de danger. Ainsi, pour la sécurité incendie, au moins deux exercices d'évacuation des locaux sont organisés dans l'année, avec un regroupement dans un lieu déterminé. Divers scénarios sont possibles, notamment en prévenant les élèves en début d'année, alors qu'en fin d'année, l'exercice peut être lancé sans prévenir quiconque. Pour le PPMS, deux exercices sont à prévoir. Un exercice dans le cas du risque d'attentat à intrusion, qui soit propose un confinement, soit une évacuation complète de l'école vers des lieux de rassemblement sécurisés dans la commune. Un exercice de risque majeur, qui consiste souvent en un confinement strict dans des locaux spécifiques et équipés pour faire face à des événements industriels ou climatiques.